Monsieur Gilles Lurton. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre des Affaires Sociales, alors que nous venons de commencer l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016, les associations de personnes handicapées et de parents d'enfants handicapés manifestent leur désarroi. Nous avons tous été saisis dans nos circonscriptions de ces situations. Enfants en attente de place en institut médico-éducatif, jeunes adultes maintenus dans ces établissements au titre de l'amendement Créton, adultes nécessitant des places médicalisées, en attente de place dans un foyer ou dans un établissement spécialisé d'aide par le travail. Autant de situations douloureuses, autant de personnes maintenues à domicile et perdant ainsi tout espoir d'intégration. Madame la Ministre, il nous faut entendre leur appel. Beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui contraints de s'exiler dans des établissements de Belgique au risque d'une rupture familiale, d'un véritable déracinement, d'une perte de relation avec leurs parents, avec souvent un sentiment d'abandon pour les parents qui doivent placer leur enfant loin de chez eux. Vous venez d'annoncer une somme de 15 millions d'euros pour faire face à cette situation. Un premier pas, certes, mais nettement insuffisant pour répondre aux milliers de personnes handicapées qui restent sans solution d'accueil. Nettement insuffisant aussi quand nous les comparons aux 4 000 emplois financés par notre pays sur les territoires belges. Un coût d'au moins 250 millions d'euros par an pour nos budgets sociaux et pour les conseils départementaux. Un montant financier qu'il nous faut ramener dans notre pays. Une telle situation doit nous mobiliser au-delà de nos appartenances politiques. Alors, Madame la Ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour permettre à toutes ces personnes handicapées de trouver les places d'accueil dont elles ont besoin dans notre pays ? Merci. La parole est à Madame la Secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, vous avez raison. Clairement, la situation de ces familles forcées de s'exiler en Belgique est inacceptable. Elle est douloureuse, mais elle est aussi inacceptable. Et je veux le dire très clairement devant vous aujourd'hui, les départs forcés pour la Belgique, pour les personnes handicapées, financés par l'assurance maladie, à partir de maintenant, c'est fini. Pour vous répondre complètement, il faut que je vous donne la réalité de la situation aujourd'hui. La réalité de la situation, c'est qu'il y a des milliers de personnes handicapées qui s'exilent en Belgique pour être accueillies dans des établissements depuis plus de 10 ans. Malgré la création de 4000 nouvelles places par an en France, malgré la réalité du nombre de places en France, c'est-à-dire 490 000 places, malgré les 9 milliards d'euros qui sont chaque année investis par l'assurance maladie pour ces places, eh bien, ce nombre ne baisse pas. C'est la raison pour laquelle, comme ce nombre ne baisse pas, nous avons, avec Marisol Touraine, adopté une stratégie spécifique, justement, pour lutter contre ces départs forcés en Belgique. Alors, cette stratégie, quelle est-elle ? Ça a débuté il y a un peu plus d'un an, avec l'accord entre la France et la Wallonie. Premier objectif, au moins établir la qualité de l'accueil en Belgique, quand, malheureusement, les gens ont dû partir en Belgique. C'est fait avec cet accord entre la France et la Wallonie. Deuxième étape de cette stratégie, c'est ce que nous avons annoncé avec Marisol Touraine il y a 15 jours, c'est-à-dire nous stoppons le flux de l'assurance maladie vers la Belgique, il n'y aura plus de finances qui partiront vers la Belgique à partir de l'assurance maladie, et un fonds d'amorçage a été mis en place de 15 millions d'euros, qui est uniquement un fonds d'amorçage pour permettre la création de places sur mesure à proximité des domiciles des personnes. Ce que j'attends maintenant, c'est que les conseils départementaux suivent l'exemple de l'assurance maladie, parce que eux aussi orientent vers la Belgique, et il est donc souhaitable, et beaucoup d'entre eux Merci, se sont déjà Madame engagés, il est donc Merci. Souhaitable que les conseils départementaux s'engagent à côté du gouvernement. Merci, la parole est à monsieur.